pleine chaleur, n'est-ce pas? Ouais, tout de suite. Alors, Corsair, comment se porte la retraite de pirate? C'est bien, c'est tranquille. Ouais, ouais, c'est d'accord. Différence de toute la violence. Ben oui. Écoutez, je suis venu vous parler d'une certaine rumeur qui court dans le nord. Parce qu'il y aurait un coffre et dans lequel se trouverait une calice avec la potion qui rendrait immortel. Est-ce que vous auriez des informations sur la clé qui ouvre ce coffre, ainsi que l'autre moitié, de la carte que j'ai déjà en possession? Il y a une légende qui court, mais je ne garantis rien. Ça peut risquer de rentrer ici. Voulez-vous prendre un thé? Avec plaisir! Ah, oui. Des rumeurs. Il y aurait un forgeron nommé Jacob Dexter qui aurait la clé au coffre. Dans quelle ville? Port-Royal. Ça serait l'héritage de son père pirate. Et la carte? À Port-Royal aussi. Je ne peux pas vous en dire plus. Bonne chance. Merci beaucoup. Genoux! Je vous fais tous les deux soldats de l'armée française. Debout! Saluez! Général? Commandant? Quelles sont les nouvelles? Les activités pirates se déroulent de plus en plus dans le coin. De plus, un ex-pirate nommé Monsieur de Legacy a été arrêté ce matin. Il a été accusé de transmettre des informations à un certain capitaine de pirates, Will Jackson. Venez, nous en parlerons dans mon bureau. Écoutez, j'ai une nouvelle mission à vous confier. Et quelle est cette mission, mon général? Enlevez vos sales gants pleins de sang sur ma table! À ce qu'il paraît, un certain Will Jackson sera à la recherche d'un calice. Dans ce calice, il se trouverait une potion qui rendrait immortel. Il faut le trouver avant lui. Vos ordres seront transmis à mes soldats. Ils commenceront les recherches dès ce soir. Au revoir, Votre Majesté. The king sits in Dunfermline town, drinking the blood red wine. Where can I get a good sea captain to sail this ship of mine? Then up there spake a bonny boy, sitting at the king's right knee. Sir Patrick Spence is the very best sea. Bonjour, monsieur Jacob Dexter, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Écoutez, j'aimerais parler à votre père, s'il vous plaît. Mon père? Oui, votre père. Ah, il est mort, ça fait très longtemps. Oh, pardonnez mon ignorance, monsieur Dexter. Toutes mes condoléances pour votre père, je ne le savais pas. Écoutez, à ce qu'il paraît, il vous aurait donné une clé à votre naissance. Est-ce que vous l'avez toujours, cette clé? Écoutez, je veux pas vous vexer avec toutes ces histoires. C'est uniquement un malentendu entre votre père et moi. Est-ce qu'il y aura un endroit où on pourrait en parler plus... Plus... Mais ça, vous pouvez venir chez moi et on pourra en discuter. D'accord, merci. Vous pouvez vous asseoir là. On en discutera. D'accord, merci.
mettre sur ma table. Impoli. Ok, ok, ça va. Vous avez pas quelque chose à boire ici? Ah. En plein ce que je recherchais. Hé, hey, vous n'avez aucun sens de respect! Tenez-moi ça. Vraiment. Bon. Tu es venu ici pour discuter? Alors parle, présente-toi. Mon nom est Will. Will Jackson. Et j'ai besoin de ton aide. Alors, que veux-tu? Captain Will Johnson. Jackson. Will Jackson. J'ai une histoire à te raconter à propos d'un trésor perdu. Et j'aimerais que tu m'aides à le retrouver. Ok. Alors, vas-y. Je t'écoute. Saluez. Et retrouver Will Jackson et le calice qu'il recherche. Oui, chef. Exécution. Alors voilà, c'est toute l'histoire. Tu me suis ou pas? Je pense que ça en vaut la peine. Alors écoute, demain matin, je pars avec mon navire. J'espère t'y voir. Ok. T'as dit ce que t'avais à dire? On verra si je viens demain, Captain Johnson. Maintenant, sors. D'accord, je m'en vais. Mais une dernière chose, c'est Jackson! Jackson! J'y vais ou j'y vais pas? Chose de piège. Bonjour, Capitaine Will Johnson. Jackson. Will Jackson. Alors, vous avez décidé de venir? Ouais. J'ai décidé de venir, finalement. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Non, 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 ça ne me dérange pas. Allez, venez, venez, on part. D'accord, j'arrive. D'accord. On va commencer par chercher là-bas. Elle doit être quelque part ici. Allez, commençons nos recherches. Je t'ennuie. Ça fait des heures qu'on cherche. Mais non, ça fait juste une vingtaine de minutes qu'on cherche. Sois patient un peu, allez. Vraiment. En plus de ça, il a commencé à pleuvoir. Puis... Mais sûrement, c'est sûr qu'il n'y a pas le temps. Patience un peu. Et puis, de toute façon, la récompense est énorme au bout. On continue. Allez. Je l'ai trouvé. Jacob, Jacob, viens voir. Elle est ici. Ah. Yes. Attends, oh, faut y aller. On va commencer à venir voir l'étang. Ok, on y va. Allez, Jacob, on pousse le navire. Ok, on va, on va. Ah. Ok. C'est fun, le soleil commence à se lever. Attends, attends, attends. Écoute, maintenant qu'on a les cartes, tu pourrais me donner la clé? Pourquoi?
pour qu'on puisse aller trouver la calice. La clé? La clé, oui, la clé. Non. La clé? Oui, mais je vais juste aller la chercher pour aller la trouver. On va y aller ensemble, je veux juste avoir la clé. Mais justement, je te donnerai quand ce sera le temps d'ouvrir le coffre. Oh, mais merde, écoute-moi, donne-moi la clé. C'est ma clé. Ma clé. Mais donne-moi la merde. Où sont les suspects? Ou pour être plus clair, où sont mes suspects? Ils nous ont échappé, mais... Taisez-vous! Je ne veux rien entendre! Vous m'avez désobéi! Je vous avais pourtant dit clairement de me ramener ce Will Jackson! Maintenant, sortez de mon bureau! Ne me forcez pas à enfoncer plus loin! Immédiatement! Oh, oui, madame... La voilà enfin! Ah. Et la légende disait qu'il y avait un coffre pour la trouver. Ah, cette fameuse légende. Mais l'important, c'est que j'ai cette fameuse... Oui. Jacob! Que faites-vous ici? Lâchez la calice tout de suite. Alors, si c'est pour se passer comme ça, choisis ton arme. Le puits. Allez, Jackson. Tu verras. Quoi? Tu as gagné, tu verras. Prends la calice. Quoi? Au point où tu es rendu? C'est tout simplement trop facile. Ah, mon pauvre Jackson. Alors, ça va se passer comme ça. Tu es rendu. Ne pas venir. Il n'y a pas de coffre parce que quelqu'un l'a déjà ouvert. Mais qui êtes-vous? Jacob, je suis ton père. Père, c'est vous? Oui, c'est moi. Pas pour très longtemps. Où les mains, les trois? Arrête-toi. Non! Toi! Arrête-toi! Détruis-les!
ta merde. Allez, donne-moi ton chapeau. Il y a des jours où je m'aime, j'ai juste le goût d'être belle, puis mon envie de pleurer ne mène à rien. J'aimerais mieux être en voyage que de voir dans le miroir mon visage couler sa peur comme de l'eau sur une plage. Contagieux quoi, t'as plus envie de me suivre. Je comprends, mais ça me fait mal. Tu sais juste de voir partir, de perdre le nord, et puis de craindre le pire. Bonne nouvelle, madame. Nous avons capturé le capitaine pirate Will Jackson, votre prisonnier. Veuillez vous asseoir. Cependant, pour le calice... Pour le calice? Le capitaine m'a détruit. Quoi? Ça me sert à quoi, moi, d'avoir un pirate? S'il n'a rien en sa possession? Préparez le contrat d'exécution. Maintenant! Oui, madame. Soldat! Soldat! Le commandant. Préparez le contrat d'exécution. Je vois la vie, puis je pars à rire. C'est pour ton vrai que la vie est belle. Hey, t'es qui toi? Hey, non! J'ai une surprise à te montrer. Quoi? Faut pelleter. C'est pas mort. Montrer. Ma petite surprise. Regarde. Bonne retraite.
Je vois rien, je vois rien de ma face. Des pirates se déroulent dans le coin, de plus en plus. De plus, un ancien pirate retraité, Des activités pirates se déroulent de plus en plus dans le coin. De plus, un ancien pirate retraité nommé Monsieur Votre Excellence. Roi. Ma Majesté. Jacob! Vous devrez...